Alors, je vais donc parler du puncheur de Docker, et de l'utilisation d'OpenShift, et de l'orchestrateur d'image Docker. Donc la presse, je l'avais faite avec monsieur qui s'appelle Sébastien Rouault, puis moi. Voilà, je fais parler de bug, je fais du DevOps. Et voilà. Donc, à la base... Tu peux mettre en plein milieu. Non. Non, je ne mettrai pas. Laisse tomber. Voilà, c'est bien ? Ok. Donc à la base, ce qu'il faut bien voir et avoir en tête, dans l'idée, point important par rapport à Docker et à son mode de fonctionnement et son rapport au kernel et à l'aspect conteneur, c'est qu'en fait, à la base, on est sur donc, une particularité du kernel pour l'isolation des ressources et l'isolation des exécutables. Donc ça revient historiquement de Shroud, de Jade, ou des bibliothèques comme LibC, qui permet d'isoler les processus tout en étant lié directement au kernel et vraiment dans l'utilisation des mécanismes dits de Segro pour permettre une isolation du nouveau processus. Donc on reste quand même au niveau de kernel sans avoir de virtualisation des ensembles et on appelle direct sur la machine. Voilà. Un des points importants et qui met en avant l'utilisation du conteneur plutôt que l'utilisation des VM, c'est aussi le fait que comme on est en direct et comme on utilise les mécanismes du kernel, on va utiliser moins de ressources pour utiliser les éléments d'utilisation et les problématiques de switch content. Ça permet aussi, un des points qui peut être important, c'est ce qu'on appelle l'identification, c'est-à-dire que potentiellement vous aurez sur une même machine plus d'images Docker qui tournent que de VM qui tournent sur la même machine. Un des ajouts importants qu'a pu apporter Docker sur ces mécanismes d'isolation des processus et sur le système des conteneurs, c'est le système des images et la possibilité de récupérer des images qui sont donc agnostiques aux utilisateurs, qui sont immuables, qui sont exécutables. Donc on va avoir l'image et l'instance de l'image qui va être exécutée et là aussi des exécutions. Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent Docker ici, qui connaissent ? Je pense que tout le monde connaît les systèmes d'image, la capacité donc de pouvoir les récupérer depuis la registrie et la possibilité de les toucher, de les faire évoluer par rapport à des images présentes sur la registrie. Donc ces images-là peuvent être construites à partir d'un fichier qui va décrire un certain nombre d'opérations de création d'images permettant à chaque fois de créer des layers, permettant une fois que vous avez mis en commun vos layers, la création d'une image et l'instanciation d'une image. OpenShift, qui est donc basé sur Kubernetes, c'est un pass qui va vous permettre de développer, de builder, de construire vos images, et également ensuite, sur la partie plutôt Kubernetes autre, de pouvoir faire le run et de gérer vos applications et de faciliter un des points qui est quand même assez important sur votre projet, c'est-à-dire le source to delivery. On va partir de votre source, de votre GitHub ou GitLab ou autre, qui va ensuite vous permettre d'être construit sous la forme d'une image Docker, qui ensuite, par différents biais ou par beaucoup, on utilise des tags, va pouvoir être propagé dans les différents environnements et aux différentes destinations. Donc, vous allez avoir le run, le ship, qui sont Kubernetes et l'orchestrateur Kubernetes, et le build, qui est plutôt issu, je vais en parler plus loin, des particularités de OpenShift et différentes utilisations de registries. Donc comme on le disait, vous avez les aspects de registries. Donc Docker va utiliser votre registrie, donc bibliothèque d'images locales, pour faire fonctionner sur vos nœuds. OpenShift fournit un registrie interne, dans lequel il va pouvoir toucher les images que vous avez buildées et les récupérer. Et vous pouvez également utiliser d'autres formes de registries, dont Artifactory, qui notamment, alors j'en parle pas là, mais c'est dans une autre presse, offre X-Ray qui permet de scanner et de vérifier les failles de sécurité ou les packages de sécurité de vos images. Qui aujourd'hui, je pense, un des vrais soucis de l'utilisation des images Docker en production. Alors, donc comme on l'a dit, donc là, je vais partir sur le schéma, pour essayer d'expliquer, puis les enrichir, construire un vocabulaire. Vous avez donc votre image Docker que vous allez pouvoir construire
coucher, récupérer au niveau de registry. Donc, au sein de Kubernetes, vous avez en fait des nœuds donc, qui vont permettre, donc, les nœuds, les machines, vont être des orchestrateurs d'images Docker, qui vont être instanciés aux images Docker. Et l'élément atomique d'instanciation de l'image Docker, ça fait le pod. Donc en fait, le pod va être un ensemble de descriptions et d'informations qui va permettre d'instancier une ou plusieurs images Docker. Globalement, à l'époque où je faisais les slides, on avait tendance à dire qu'il fallait plutôt utiliser une seule image Docker dans un pod. Aujourd'hui, avec la tendance d'utiliser des sidecars, donc l'idée d'avoir des images à côté pour permettre de fournir d'autres services supervisés, tend à changer ce paradigme et cette même approche. Je ne sais pas s'il y a des questions pour l'instant. Donc, au niveau de la présentation, vous avez donc maintenant votre master qui va pouvoir instancier au niveau de l'ensemble de ses nœuds des images Docker avec une définition qui aura été construite permettant d'instancier ce qu'on va appeler des pods. Donc, vous allez avoir des images Docker instanciées avec des paramètres définis dans le pod qui vont être eux-mêmes présents sur des nœuds. Votre Kubernetes, votre OpenShift, va permettre d'être certain que les descriptions que vous avez faites de vos nœuds, de vos pods, soient toujours présents et que les services soient toujours rendus. Par principe, normalement, vos pods sont isolés derrière. Ouais. Rapidement, une question. Est-ce que le master est obligé d'être sur la même machine que les nodes et les pods? En fait, ma question, c'est est-ce que tu peux avoir sur ta machine là un master et avoir vraiment le reste de l'infra, par exemple, sur AWS? Alors, techniquement, oui. D'accord. En pratique, tu as plutôt tendance à essayer de réserver tes ressources et donc à lui demander que les nodes ne soient pas sur le master. Que les pods ne soient pas instanciés sur le master. En pratique, oui, tu peux. Mais je préférerais plutôt pas le faire. De même que tu as une pratique qui a évolué, je ne sais plus si j'en parle, tes instances et tes informations sont mises dans une base de données avec les valeurs qui sont décédées. D'accord. Et en fonction des versions, tu verras qu'on te conseille de mettre ton cluster de FCD sur ces masters, et maintenant on te conseille de ne plus le faire. Ça a bougé. D'accord. Je ne sais pas si j'ai répondu. C'est possible. Oui, c'est possible. Bah après, c'est pareil. Si je présente ta machine, une chiffre, tu as tout dessus. Après, c'est à toi de gérer ton isolation et puis tes problématiques de ressources. De même que ton master, là j'en ai mis qu'un, mais tu peux le faire en achat, donc en haute, c'est pas de dispo. Enfin, si c'est au dispo, mais c'est pas du lot de balanceur, tu vas pouvoir en mettre plusieurs qui vont te permettre que si tu as un master qui tombe, le service soit toujours rendu et soit maintenu. D'une certaine manière, c'est à toi là aussi de définir le niveau de qualité que tu as en place correspondant. Il y a des docs assez intéressants sur les architectures de référence qui sont présentes. Si tu veux regarder ce Red Hat, t'explique comment construire. Et en gros, ce qu'ils préconisent par défaut aujourd'hui, c'est de dire. 3 masters, 3 nœuds dits d'infra, donc c'est en fait des nœuds spécialisés pour la gestion des informations d'infra, les routeurs, les metrics, et puis après tes nœuds. Donc comme je le disais précédemment, les pods, donc vous avez défini les structures et les informations d'environnement, de ressources que vous allez dédier à votre instance, à votre image Docker, et par défaut sont isolés. Néanmoins, pour pouvoir permettre à vos pods de communiquer les uns avec les autres, OpenShift, Kubernetes fournit une abstraction qui s'appelle les services qui vont permettre à vos pods de communiquer entre eux. Je rappelle que votre pod n'est pas forcément instancié sur le même node, et donc quelque part, il va être nécessaire que vos images Docker puissent communiquer à travers différents nœuds, à travers le réseau, de façon idéalement transparente. Et enfin, les routes qui permettent d'exposer ce service vers un système extérieur. Voilà. Donc, ce qui permet concrètement de construire ça, donc là aussi, j'essaie de construire progressivement un vocabulaire, de dire que sur votre système, vous avez des services qui sont à destination interne. Donc, par exemple, ce pod va pouvoir communiquer avec son pod MySQL à travers un service MySQL et exposer des services web à travers une route. De la même manière, vos nodes Node.js vont pouvoir être exposés à travers un pod Nginx intermédiaire
qui lui-même sera exposé. Donc, une des particularités intéressantes de OpenShift, c'est la possibilité de faire du build. C'est ce qui, aujourd'hui, fait pour moi une vraie différence par rapport au reste. C'est-à-dire que vous allez être capable de faire le build, de construire vos images Docker directement dans votre cluster et de pouvoir gérer ces déploiements et avoir un vrai source to delivery et un suivi immédiat. Là-dedans, deux stratégies possibles. Je le mets dans l'autre sens, mais je vais commencer par la stratégie la plus classique, c'est le Dockerfile. Donc, concrètement, vous allez faire pointer votre build config, donc votre objet OpenShift build config, vers un repository, un repository GitHub dans lequel il y aura un Dockerfile à la racine ou autre. Et lorsque votre image, votre Docker build va démarrer, il va récupérer ce git, lire le Dockerfile et builder votre machine pour ensuite le déployer. Un autre système plus intéressant, notamment pour quand vous voulez essayer de gérer et de sortir de vos équipes la problématique de construction des images, un outil qui s'appelle Source2Image, qui existe en ligne de commande, vous pouvez l'utiliser derrière, enfin, vous pouvez l'utiliser par vous-même ou de façon publique en Excel, qui va se construire sur une base image. Donc en fait, vous avez créé une image Docker qui contient le fichier, enfin les étapes sur StreamEdge et les éléments de configuration sur StreamEdge qui vont vous permettre de gérer les états de construction. Donc typiquement, Assemble, donc je récupère les images, build, je construis, Maven package, et run, je l'exécute, plus éventuellement les opérations de nettoyage. Ce qui va vous permettre, ensuite, sur cette image, base image, de construire l'image et de faire un snapshot de votre image pour avoir l'image de votre application réelle. Donc en pratique, comme je le disais, vous allez avoir votre build config qui va récupérer votre base image, votre code source pour se construire, faire son snapshot et être ensuite stocké et envoyé dans votre image, dans votre repository interne pour être à l'étape d'après déployé à travers un objet qui s'appelle le déploiement de config, qui en fait va décrire les informations de déploiement, donc c'est la description de votre pod, et également s'enrichir des informations sur le nombre d'instances dont vous avez besoin, sur les ressources que vous allez mettre et les triggers à mettre en place. Comme si par exemple vous allez mettre un trigger en disant quand je modifie ces informations, je vais me redéployer. Quand l'image est buildée, je vais me redéployer. Et différents autres éléments. Je ne sais pas s'il y a des questions. Le déploiement de config, c'est un langage spécialisé à OpenShift ou c'est directement un langage dynamique? Alors, là, le problème, je vais te répondre, c'est que c'est dynamique. Donc, à ma connaissance, avant la 1.6, le déploiement de config, c'était exclusivement OpenShift. Maintenant, il y a un autre nouveau objet qui s'appelle Deployment dans Kubernetes qui permet le déploiement. Et donc, ça bouge d'une certaine manière. Donc c'est limite bouge. De même que de mémoire par rapport aux versions, on peut corriger, OpenShift a un système de sécurité qui empêche notamment les images de démarrer en route, par exemple, ou qui va gérer des objets, qui n'était pas présent dans Kubernetes historiquement, qui est présent maintenant, je crois, depuis 1.5, je peux être un peu avant, qui évolue. Donc si tu veux, ce sont des choses qui bougent progressivement. Aujourd'hui, l'objet, en tout cas, déploiement config, est uniquement dans OpenShift, par contre, un objet deployment dans Kubernetes qui, à ma connaissance, répond à ce mécanisme-là. Alors, pour le jeu, si tu regardes, j'ai essayé de faire une différence, en tout cas en l'état quand j'ai fait mon slide, entre le bleu OpenShift et le zéro, parce que le bleu Kubernetes et le rouge OpenShift. Donc, tu vas revoir ici. Donc, il y a dans ces éléments-là un grand nombre d'objets différents. Notamment, donc là je ne vais pas trop avancer, mais un outil qui s'appelle ImageStream, qui est l'abstraction de ton image, qui te permet d'avoir le suivi sur les layers et sur tes métadonnées de ton image Docker. C'est également sur cet objet-là que va être géré les problématiques de trigger et les problématiques d'instance. À ma connaissance, l'ImageStream n'est que sur OpenShift aujourd'hui. Mais je ne serais pas surpris que ça bouge aussi. Un autre point également, c'est les persistance volumes. Donc, vos images
vos images, comme on l'a expliqué, sont immuables. Vous n'avez donc pas de modification de données. Chaque fois que vous arrêtez et vous redémarrez, ça redémarre de zéro et de la sensation. Donc si vous voulez stocker des données, conserver des données, il va falloir les stocker sur des objets qui sont construits à cet objet, dans cet objectif, que sont les persistance volumes. Donc en fait, vous allez avoir des ressources au niveau de votre cluster, qui sont des PV, une liste de PV disponibles, et vous allez devoir faire ce qu'on appelle un PV claim, donc en fait une réservation de ressources pour votre usage au sein de votre projet, et ensuite vous allez pouvoir l'utiliser sur le campus. Et donc après, en fonction des différents modes de disposition, donc en gros écriture unique ou écriture à plusieurs, vous allez pouvoir écrire sur cet espace d'écriture ensemble. Enfin, je ne sais pas s'il y a des questions pour le moment. Donc voilà ici les évolutions, les différents éléments que j'avais fait pour essayer de faire un peu les différences entre ce qu'était aujourd'hui OpenShift et ce qu'était Kubernetes. Pareil, quand on parle du côté évolution, aujourd'hui, donc OpenShift est un fork de Kubernetes, vraiment, le fork premier, c'est du Go buildé concrètement, etc., en Dur. Depuis la 1.7, ils ont créé un mécanisme d'extension qui est très probable. Que à partir de OpenShift 3.7 ou 3.8, les extensions type bitconfig ou autre ne soient plus du code en dur entre guillemets, mais plutôt des extensions. Et là, je parle vraiment de mon. Enfin, c'est moi qui le conçois, peut-être que je me trompe complètement. On verra. Donc un autre point important, comme vous l'avez vu précédemment. Vos pods sont instanciés sur vos nodes de façon assez non isolée et de permettre de communiquer à travers les services qui sont ouverts à tous. Vous avez une autre abstraction qui s'appelle le namespace dans Kubernetes, qui est le projet dans OpenShift, qui vous permet d'isoler de façon virtuelle les pods et les ressources que vous avez dans vos pods au niveau de votre projet et derrière des droits d'utilisation. Droit d'accès au projet, droit de manipulation du projet, les opérations d'admin au niveau du cluster ou du projet, et ainsi de suite. Donc ce qui vous permet concrètement, à l'intérieur d'un même node, d'avoir plusieurs pods de projets différents qui sont isolés les uns des autres par des mécanismes de virtualisation, de couche réseau, et ainsi de suite. Voilà. Donc maintenant je vais essayer de m'amuser. Donc là j'ai un outil qui s'appelle MiniShift. Nous permet d'instancier en local votre OpenShift et de pouvoir l'utiliser de façon réduite. Donc typiquement, on va avoir un seul nœud qui est le nœud sur lequel va fonctionner l'user et ainsi de suite. Pour les plus aventureux, je crois que. Voilà. Donc si on met un log level important, on va pouvoir voir, bon, je suis désolé, c'est peut-être un peu easy. Ici, les appels vers l'API Kubernetes exposée et les éléments d'aller-retour qui sont faits derrière pour avoir les éléments de communication qui sont derrière. Donc, API exposée, etc. Donc, comme je le disais, vous avez votre projet. Dans votre projet, vous allez pouvoir créer des projets alors, à l'aide d'éléments qui sont mis en standard, que sont les templates. Donc, je reparlerai un peu tout à l'heure. Donc là, je prends vraiment le classique Node, parce que c'est un des trucs qui prend le moins de ressources. Et puis, voilà. Donc, je vais utiliser le template va me créer un grand nombre d'objets derrière qui vont être construits, que je vais vous présenter ensuite. Là, la présentation vous me dit quoi? Me dit que mon projet, je peux y accéder à l'aide de la ligne de commande OC. Donc, précédemment, j'avais montré, en fait, tout ce que vous avez, il y a même plus d'outils dans les lignes de commande que dans l'interface. Donc, vous pouvez y accéder via l'outil en ligne de commande.
à l'intérieur du projet MyProject. Et également, vous avez la possibilité de brancher votre outil de build sur un trigger donc, GitHub pour que lorsque vous faites un push, il y ait l'information sur redescendre sur votre nœud pour reconstruire et builder. Ce qui existe déjà dans Jenkins hein, aussi. Je pense qu'il n'y a pas grand chose de nouveau sous le soleil, là forcément un peu vite. Alors, pour vous montrer ce qui s'est passé, donc dans les événements, on a récupéré l'image Docker OpenShift 1.5 de build, on l'a instancié, puis en respectant l'information de source to image qui était présente dans l'image qui a été utilisée, on a récupéré le code GitHub qui est là, effectué les commandes npm install d'installation du projet, et puis une fois que ça a été construit, snapshoté des images qu'on a après poussées dans le repository interne. D'accord ? On a créé. Voilà une image qui contient les informations et les méta-informations de qui a fait l'image, à quelle heure, quel est le build, enfin l'ID commit du build, quelles sont les informations de configuration de l'image Docker qui a été faite et qui a été construite, et puis, si vraiment on veut pousser un peu, les informations de layer qui ont été utilisées. Donc, comme je le disais précédemment, ça a été buildé, puis pushé dans la repository interne. Le déploiement de config m'a permis de déployer mon pod, qui, si tout se passe bien, va fonctionner ici et est présent. Ok. Si tout va bien. Alors, quand on va rentrer un peu plus dans les détails, donc, on disait le déploiement config, et puis c'est l'interface graphique, c'est plutôt sympa, on va dans le Edit, toc. On a ici les informations qui sont sur les informations de déploiement. Donc la stratégie de déploiement, donc ici le rolling. En gros, je vais remplacer les anciennes instances par des nouvelles sans supprimer le service. Recreate, je recrée de zéro et donc j'arrête mon service le temps de basculer. Puis custom, si vraiment vous avez envie, vous pouvez créer vos propres politiques de construction. Les informations de scaling de taille, les habilités, et ici des informations sur quelles sont donc l'image clone sur lequel je vais récupérer les informations à déployer. Donc là aussi, on va retrouver les mêmes informations, peut-être un peu petit, je ne sais pas si vous... dans l'interface graphique ici de l'édition, donc de votre YAML, où on retrouve l'image à déployer. Instancié avec son chawan, les informations de déploiement de label, l'information de rolling, de stratégie de rolling qui est ici, et les éléments correspondants. On va également aussi pouvoir gérer des ressources et du health check. Le health check, c'est tout simplement, on va dire que j'attends une seconde, 15 secondes, 5 secondes, que mon image réponde sur cette requête, en l'occurrence une requête HTTP, et ouais. Ça c'est une vue qui est spécifique à OpenShift, ou alors c'est une vue de la configuration de Kubernetes que ça. Alors c'est quoi, OpenShift ou Kubernetes? J'arrive pas à voir qu'est-ce qui est OpenShift et qu'est-ce qui est Kubernetes. Non, c'est assez compliqué, pour être honnête. En l'occurrence ici, tu vas avoir ton health check, donc le health check dans le déploiement de config, c'est de l'OpenShift. Par contre, ça va instancier un replication réplication config qui lui est OpenShift. Et qui lui est Kubernetes. Et ton pod est Kubernetes. Voilà. Blague à part, mais concrètement, aujourd'hui, ton déploiement de config, il est au niveau d'OpenShift, d'accord ? Ton déploiement de config, il va pouvoir instancier des composants que tu vas retrouver ici. Alors, est-ce que je ne suis pas certain d'être là. Non, là, je suis dans défaut.
là, tu vas retrouver les différents objets. Le déploiement config, c'est un objet OpenShift. Par contre, le replication config qui est créé à la suite par ton deployment, il est Kubernetes. D'accord ? Et tu vas retrouver des informations des uns aux autres. Typiquement, la liveness, readiness, il est dedans. Donc la liveness et readiness, qui sont, grosso modo, la vérification de ton service a démarré et la vérification de ton service tourne toujours, ça c'est du Kubernetes. Oui, on peut dire que ça me rend rappeur en fait, c'est ça ? C'est des extensions, si tu veux le terme exact aujourd'hui. Vraiment, le terme consacré, je pense que ce serait la version d'extension. Voilà. De même que après sur Kubernetes, vraiment, tu as des volontés de construction d'abstraction, comme le fait que ton moteur, donc là j'ai parlé de moteur aujourd'hui, mais en fait, ils ont construit une abstraction qui s'appelle Cryo, qui permet d'être indépendante du moteur de conteneur utilisé. Donc demain, peut-être une requête tombe déjà, ou d'autres à utiliser. Après, je pense que dans un ou deux ans, je pourrais venir faire une présentation sur l'écosystème de Pepsi. et voilà, par exemple, typiquement le service, le SRV, c'est un composant Kubernetes. Mais la notion de route, à savoir la construction d'un système de réseau qui va exposer à travers des NGINX dédiés mes services, c'est un truc de OpenShift. Que tu peux néanmoins refaire toi-même avec ton Kubernetes. Je pense que pour reprendre vraiment la bonne différence entre OpenShift et Kubernetes, à part, si on met de côté la problématique du build, qui pour moi est un vrai plus, qui pendant pas mal de temps était unique à OpenShift et d'aujourd'hui et commence à apparaître dans d'autres produits, il y a vraiment la notion de release. Je pense que quand Red Hat dit Kubernetes c'est Linux et OpenShift c'est notre release, c'est vraiment la logique. Quand tu vas vouloir construire ton propre Kubernetes, tu vas avoir ton Kubernetes, tu vas avoir ta couche réseau, tu vas pouvoir utiliser Flanel ou Kadiko ou d'autres systèmes. Red Hat a utilisé OpenVSwitch parce que c'est leur outil qui maîtrise. Quand tu vas dire je vais gérer les metrics, tu as Prometheus qui est aujourd'hui celui qui est poussé par CoreOS de mémoire, en tout cas poussé par la CNF. OpenShift va utiliser Ocular. D'accord ? Donc si tu veux, de la même manière que quand tu avais sur ton serveur, tu avais décidé d'utiliser un Postgres ou un MySQL, un NGINX ou un Apache, tu vas utiliser d'une certaine manière un système de clustering et d'orchestration du cluster utilisant Kubernetes avec une release Red Hat OpenShift ou une release CoreOS Tectonic ou d'autres releases qui sont à venir. Rancher aussi en faisait partie, enfin en tout cas plus ou moins discutable parce que le moteur est parfois Kubernetes ou Catal, mais en tout cas si l'évolution de Rancher c'est d'utiliser Kubernetes, oui, Rancher sera une release Kubernetes. Okay. Merci. Donc ce que je disais, c'est que vous avez vos objets et que vos objets, vous pouvez les avoir dans l'interface ou les avoir ici. Donc là, je vais avoir Donc ici, j'ai les informations YAML de mon objet qui sont présentes dans ma ligne de commande et que je peux après manipuler. Sachant que je les ai dans YAML parce que je trouve ça plus facile et plus visible, mais je peux aussi les mettre en JSON, voilà, la même logique, et après utiliser un GQ pour pouvoir parser les informations qui sont derrière. Dans la même logique, toutes tes ressources utilisent la notion de label qui te permet de créer un grand nombre d'automatisations sur tes traitements parallèles. Donc tu vas pouvoir scripter énormément d'opérations à travers l'utilisation des labels, l'utilisation des informations qui sont en JSON. Donc voilà à peu près où j'ai fait mon build. Donc oui,
donc les informations de la veille. Un autre point aussi qui réapparaît, qui je pense est un assez nouveau par rapport aux architectures historiques de VM, c'est la notion de ressources et de gestion de ressources au niveau de ton association. Donc, ton association, c'est une association Docker qui va pouvoir définir les ressources qu'elle va utiliser. Donc typiquement, je te le mets au niveau du déploiement de config parce que c'est ce que propose OpenShift, mais tu pourrais le mettre dans tes applications config dans Kubernetes. Tu vas dire que ton pod, il n'a le droit d'utiliser que un certain nombre de corps. Voilà. Donc, et une certaine mémoire. Et en définissant ainsi tes ressources, pour le coup c'est Docker, mais c'est le mécanisme derrière, qui va te garantir que ton pod ne dépasse jamais ces informations. Donc là, deux informations, le request et le limit. Le request, c'est la limite de ressources dont tu as besoin. Donc tu considères que ton pod ne peut pas démarrer sur un node s'il n'a pas à minima cette information-là et ces ressources-là pour pouvoir démarrer. Et à l'inverse, ta gestion limite, c'est de dire si ton pod, pour une raison ou pour une autre, par une question de déploiement, commence à consommer plus, d'accord, tu vas l'arrêter. Pour que ton pod ne n'abîme pas ou ne mette pas en risque le reste de ta production. Et derrière, alors je vais te laisser bien dans le node. Et derrière, j'ai l'information sur mon node, sur mes nodes après, si je le vois, des informations qui ont été requêtées et utilisées. Et donc, je peux me permettre de gérer mes ressources et mon cluster en conséquence. De la même manière, pour le coup, comme moi je suis sur Minishift, je ne peux pas trop me montrer là, mais par le système des labels, tu peux dédier des nœuds et gérer des nœuds et faire en sorte, en l'occurrence, nous c'est ce qu'on fait, que ta production soit sur des nœuds dits de production. Comme ça, tu es certain que le développement, etc., ne pourra pas prendre des ressources qui ont été dédiées. Et tu te retrouves à devoir reconstruire de certaine manière ta notion de service et de classe de service à travers ton système Kubernetes, dans te disant, ben voilà, je vais avoir des nœuds pour ceci ou pour cela. Dans le même esprit, alors pour le coup, je n'ai pas trop avancé dessus, mais tu as quand même une grande discussion, c'est comment est-ce que je fais de la donnée dans mon Kubernetes ou dans mon OpenShift. Tu peux utiliser ce qui s'appelle les petsets, écrire tes données en local, et donc te dire, je vais avoir des nœuds qui sont spécifiques pour pouvoir gérer ce type de ressources. Voilà, après, que dire si je peux... Oui, sur les points. Je disais tout à l'heure. Donc, je disais tout à l'heure qu'on pouvait utiliser des templates. Et donc là, je vais utiliser, je pense. Donc, en fait, ici, j'ai un fichier YAML de mon template qui va permettre, c'est toujours le principe de template, j'ai construit un ensemble d'objets, donc je vais monter tout en haut, c'est un peu long, excusez-moi. Donc, j'ai construit un objet template qui va contenir une liste d'objets. Donc, les besoins que j'ai eus, ça va être mon build config, mon déploiement de config, mon service, ma route, mais ça peut être aussi le Jenkins, la base de données, les scripts de base de données, etc. En tout cas, j'ai donc dans un seul fichier de template mes informations de création de mes services au sein de mon OpenShift.
qui vont ensuite, donc tu vois les paramètres qui sont aujourd'hui en dollars variables, qui sont à la fin en bas, qui vont ensuite me permettre de créer et d'instancier ces templates autant de fois que je veux avec la configuration et les paramétrages qui correspondent. D'accord ? Donc là aussi, je peux construire mes architectures et puis les redéployer, les normaliser, gérer les éléments correspondants. Voilà. Aujourd'hui, le templating n'est pas présent dans la classe à notre chose. Mais je ne serais pas surpris que ça évolue aussi. Enfin, tu vois, c'est... Je pense qu'il y a vraiment des bascules de l'un à l'autre. Oui, sinon, on fait la même chose. On va s'écrire là et ça passera de à répondre par ça. Oui, enfin, je pense que pour le coup, mais bon, je ne peux pas parler sur The Web, mais je pense que la stratégie Red Hat, vous avez bien sûr la volonté de dire qu'il était meilleur d'aller vers une communauté qui gérait, qui maintenait. Finalement, Kubernetes avance plus. Enfin, les communautés Kubernetes avec Red Hat, Google, maintenant Amazon, hein, qui a signé un gros chèque pour rejoindre la CNF, iront de toute façon plus vite qu'eux tout seuls. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu regardes, tu te dis que finalement, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été développées pour OpenShift qui sont en train de rentrer dans Kubernetes, mais je pense que tout le monde y gagne. En tout cas, c'est la logique. Voilà. Donc, ça, c'était le système de templating. Ensuite, qu'est-ce qui... Oui, un des trucs qui m'a beaucoup intéressé, et des petits plus, alors, c'est. Le OC Explain. Alors, je ne sais pas pour vous, moi je regrette un petit peu, ça c'est mon côté vieux, je regrette un peu le bon vieux XML qui me permettait de savoir exactement quelles étaient les informations que j'avais le droit de mettre où, parce que dans le côté sympathique d'OpenShift qui va te faciliter la vie, de temps en temps tu édites un truc, il ne te dit pas que ça marche pas, mais il ne le sauve pas. D'accord ? Donc, t'as fait une connerie, mais t'embêtes pas, et ça passe, et bon, ce que t'as fait, donc ça peut être un peu un souci. Et donc après, quand même, tous les objets de ton OpenShift ou de ton Kubernetes, c'est quand même relativement complexe. Et donc, tu as un sympathique OC Explain qui te permet d'avoir les informations sur tes objets. Donc, on disait OC Explain. D'accord. Et donc là, il va m'expliquer qu'à l'intérieur de mon build config, d'accord, déjà, il m'explique ce que c'est que mon build config, hein. C'est un outil qui permet de construire des nouvelles images de différents types, etc. Qu'il a le champ spec qui contient des objets, qu'il a le champ statut, le champ API version, kind, etc. Et donc ensuite, ben, là, mon champ spec de mon build config, il a les révisions, le runpoint, les stratégies, et ainsi de suite. Après, je peux rentrer et avoir des informations de quels sont les tags que je peux utiliser, donc les éléments de configuration dans mon objet. C'est quand même un des points qui, moi, m'a pas mal sauvé la vie de temps en temps sur comment est-ce que je gère et quelles sont les bonnes façons de faire mes YAML. Voilà. Un autre aspect aussi, qui était, donc là, comme vous l'avez vu, donc, vous avez la build config, et votre build config, le trigger qui est plutôt mis en avant, c'est le trigger du DevOps, hein. C'est vous pushez sur GitHub et puis ça déclenche un événement qui va déclencher le build et puis ben, ça retourne. Alors ça c'est super sympa quand vous êtes dans la prod, mais quand vous êtes en train de développer, à chaque faute de frappe, je suis sûr que personne ici n'en fait à part moi, mais devoir refaire un commit, c'est pas top. Donc comment est-ce que je peux builder localement mes infos? Mais en fait, il y a la possibilité de créer un objet. Alors, c'est. Build. Donc là, hop. Comme je l'ai vachement préparé, j'ai un peu besoin de log pour m'en souvenir. J'ai dans mon c'est build le binary égale true. Donc, c'est une build. Là. D'accord. Et donc là, l'objet que je vais construire, il est dit de type binaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais ensuite faire un OC start build
outil. D'accord ? Je vais lui dire, là aussi, j'ai bonne mémoire, from dir, voilà, et lui passer directement mon dossier, les informations dossier, qui vont être construites, envoyées et vidées distance, sans passer par les cases. Voilà à peu près les informations que je vais passer. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou des envies. Si on peut passer pour vous dire. Jamais utilisé Kubernetes ni OpenShift. Est-ce qu'il y a des fonctionnalités de Kubernetes que tu n'as pas pu utiliser avec OpenShift? Parce que les fonctionnalités de formation touchent étaient trop rigides. Alors pour le coup, jamais. Par contre, je pense que j'ai j'ai vraiment eu une illumination quand j'ai compris que tout ce qui était dans Kubernetes, c'était dans OpenShift. Donc typiquement, alors qu'ils ne sont pas du tout mis en avant dans OpenShift, parce que c'est du Kubernetes, tu as les jobs. Donc les jobs, ça veut dire, c'est un code en fait dans lequel tu vas définir la construction du Chrome Job, tu vas le faire tourner un certain temps. Tout simplement, la commande exec, donc en l'occurrence Kubernetes, enfin kubectl, le pod correspondant, etc., qui va permettre d'exécuter directement ton image Docker dans ton Kubernetes, tu vas pouvoir la voir sur OpenShift, l'OCRH, voilà, les tirets wild pour avoir une convention. Enfin, d'une certaine manière, bon, en tout cas moi j'ai pas eu, que ça existe, hein, je n'ai jamais rencontré de choses qui étaient dans Kubernetes qui n'étaient pas dans OpenShift. Par contre, je pense que tu as potentiellement des problèmes de visibilité, et d'une certaine manière, à partir du moment où j'ai commencé à lire la doc de Kubernetes, la doc d'OpenShift m'a semblé beaucoup plus claire. Voilà. Pour moi, c'est un des points, tu vois, sur le côté de la construction YAML, sur les problématiques d'abstraction de réseau, sur les autres informations, etc. Pour moi, vraiment, c'est comme ça qu'il faut le voir. Par contre, c'est peut-être un problème de com ou autre. Pour le coup, le côté OpenShift du Kubernetes, c'était... Enfin, moi, toi, quand j'ai démarré, c'était pas clair. Après, peut-être. Vas-y, donc. Quand tu commences à avoir les emmerdes, des galères pénibles, en général, est-ce qu'elles sont cachées de parler rapidement à voir si c'est une galère OpenShift ou une galère Kubernetes? Non, alors vraiment, pour le coup, le côté OpenShift ou Kubernetes, pour moi, en tout cas, c'est pas le problème. Enfin, en tout cas, jamais. Les galères que j'ai eues, il y en a eu pas mal aux mises à jour de cluster, notamment avec les évolutions de version de Docker, qui était un peu compliqué. Mais finalement, tu purges ta registrie, la registrie de tes nœuds et ça redémarre, et voilà. J'ai eu quelques galères avec SE Linux parce que pour notre système de monitoring, on avait fait des trucs dans SE Linux, on avait mis des labels et en fait ça marchait pas, et puis on s'est aperçu qu'en fait on avait ces labels, donc voilà. Une des galères que je trouve assez dommage, tu sais, je t'ai montré la readiness probe, la readiness probe, mais en fait, ça, c'est sympa, ça te maintient le service quoi qu'il arrive, mais ça permet aussi du code très gore. Et je peux te dire qu'il m'est arrivé d'avoir en prod des pods qui redémarraient 2000 fois dans la journée. Mais comme tu as 4 pods qui sont gérés, qui sont virés, transparents, il y a effectivement du code qui a été goré, qui a tourné, qui a démarré 2000 fois dans la journée, mais qui n'a pas eu d'impact sur les sons externes derrière. Et là, pour le coup, moi je trouve, à la petite perso, je trouve que c'est plutôt un côté. Ça a du bon, hein, parce que ça te permet quand même de gérer pour le longtemps. C'est un peu de mauvais, parce que les gens auxquels tu vas dire, mais ton code il n'est pas bon parce qu'il ne fonctionne pas dans ces contraintes et dans ces trucs, tu dis, mais non, c'est bon, tu rajoutes un code et on ne change plus. Mais bon, je me souviens des monites sur Tomcat ou autre, hein, donc c'est pas... voilà. Alors je l'ai pas trop mis en avant, mais pour moi il y a un vrai problème de la sécurité. Aujourd'hui, quand tu prends des images Docker, from scratch, directement sur Docker Hub, etc., très souvent, elles ont des packages qui ne sont pas maintenus, donc qui ont des failles de sécurité, tout simplement parce que c'est des trucs historiques, qui n'ont pas été mis à jour, d'accord ? Que très souvent, la personne qui ne connaît pas trop les Linux ou autre, on va pas faire des images Docker qui tournent en route, et donc potentiellement des failles de sécurité derrière, et que pour le coup, OpenShift,
te sécurisent dès le début, et donc tu ne vas pas pouvoir les faire tourner en route, qui n'est pas à moins de forcer le modèle. Et donc tu as beaucoup d'images qui fonctionnent sur la machine, sur ta machine, c'est génial, qui ne vont pas fonctionner dans le chiffre. Tu vas devoir essayer d'expliquer pourquoi. Dans le même esprit, pour le coup, qui est plutôt Kubernetes aujourd'hui, c'est Helm, je ne sais pas si tu connais. Helm aujourd'hui va prendre des images qui souvent sont des images qui tournent en route et donc qui finalement ne vont pas rentrer simplement dans OpenShift. Sauf à faire sauter la sécurité. Mais bon, après, je pense que c'est des risques qui sont indiscutables. Mais là aussi, je pense que c'est un truc qui est en train de bouger, qui évolue. Les gens qui font maintenant commencent à comprendre qu'effectivement, il ne faut pas faire tourner son image local en route. Que les gens comprennent que tu peux gérer des images avec la sécurité. Donc je vous en ai parlé tout à l'heure, tu as Xray aussi qui permet de suivre tes packages et des informations de sécurité. Donc en gros, dans ton image, tout simplement, hein, faut juste... enfin, pour reprendre le truc, tu as juste à faire un update, hein, et puis rebuilder le tout et redéployer. Sauf que si tu n'as pas un truc comme OpenShift qui, moi, m'a permis de redéployer, de rebuilder, redéployer. Cinquantaine d'images comme ça, en gros, ça me... je suis très content, c'est un truc, j'ai fait ça en gros une demi-heure, c'était assez cool. Mais je pense qu'aujourd'hui, si tu le fais par d'autres moyens, c'est un peu plus compliqué. Mais là aussi, si tu as un Jenkins complètement qui gère toute ta stack derrière, je pense que ça le fait aussi, tu vois. Donc voilà, donc, ouais, je pense que, pour en revenir sur ça, je pense que la problématique des sécurités des images Docker est un vrai souci. Voilà, j'espère vous avoir donné un peu envie d'utiliser l'outil. Là aussi, donc moi, pour l'utiliser en local, c'est Minishift. Donc, Minishift. Donc, qui va vous permettre d'instancier directement votre cluster local et de gérer vos amusés derrière. Ne pas activer les metrics aussi, comme je disais, les metrics dans votre OpenShift, c'est ce qui va vous permettre de savoir ce que vous consommez, comment ça évolue, ce que ça utilise. Donc, c'est aussi ce qui va être utilisé pour permettre l'autoscaling. Typiquement, un truc, alors, pour le coup, le Kubernetes, mais qui est vraiment très pratique, c'est l'autoscaling. Nous, on a mis nos potes de prod, ils ont l'autoscaling, comme ça, si par hasard il y a une montée en charge, d'un spot de pub qui n'a pas, où la prod n'a pas été prévenue, tu vois. Ça n'arrive jamais, hein, sauf pour le cas de cette présentation. Pour le coup, on n'a pas trop de soucis. Voilà. Mais il faut que tu aies des metrics pour que tu sois capable de dire que ton pod utilise 80% de ses ressources. Voilà. Et donc, les metrics, c'est, je disais, c'est Ocular. Ocular, c'est du Cassandra et du Javaria, donc c'est un peu gros pour faire tourner uniquement sur ta machine. Quand tu as ton cluster, ça va. Écoutez, merci beaucoup.